Le cessez-le-feu est désormais terminé au Proche-Orient depuis 7 heures ce matin, heure européenne. Le Hamas avait auparavant indiqué que les différentes factions palestiniennes refusaient de prolonger la trêve avec Israël devant le refus de celui-ci d'accéder à leurs demandes. Néanmoins, les négociations internationales devraient se poursuivre aujourd'hui au Caire, en Égypte. L'armée israélienne affirme que plusieurs roquettes ont été tirées ce matin depuis la bande de Gaza en direction du sud de l'État hébreu. Le Hamas a nié toute responsabilité et ces tirs pourraient être l'œuvre de factions dissidentes.